Allez, Zou, je descends ça. Je switch de tag sur, sur le live. On va mettre Pokémon Trading Card Game. Putain, il y en a deux. Trading Card Game Online. Voilà, mettre à jour. On termine cette journée Pokémon Go sur Pokémon TCGO. On termine cette journée Pokémon Go sur Pokémon TCGO. Voilà, ça c'est fait. Donc on est toujours à 692. C'est bien ça, je switch de scène. Il va falloir hop, mettre à jour aussi ce petit texte-là. Voilà, si ça veut bien. Ok, nickel. Nickel, nickel. Et donc on est... Donc vous voyez, je suis niveau 9 maintenant. Un puissant niveau 9. Défi quotidien, j'en ai plus. Aujourd'hui, j'ai up en fait niveau 1 de ça. Hop. Et je... le niveau 10, c'est peut-être atteignable si j'ai un bon... si j'ai un bon... bon défi feu. Il doit manquer... je sais pas comment on voit l'XP. 9 sur 10. Ah mince, c'est l'XP. Il manque que 1 d'XP, c'est ça? Comment... Attends, ça t'est marqué 9 sur 10. Comment on voit? Ah, 0 sur 10. 3 sur 5. Ah non, il manque que 1 d'XP. Donc, prochain défi feu. On t'en voudra pas si tu fais une pause. Non, ça va, ça va. Quel est ton prénom? Nicolas. Je suis niveau 9. Tu me conseilles de commencer pour Pikachu ou pas? Non, tu en retrouveras des Pikachu. Mon meilleur Pokémon est Roucarnage à 330 PC. T'inquiète, ça, ça augmentera avec les levels. Pour prendre aucun starter, il faut simplement s'éloigner pour pouvoir avoir Pikachu qui apparaît. Ah, d'accord. Il faut s'éloigner en fait. Voilà, tu prends aucun starter, tu t'éloignes. Je me vois dans les derniers subcrains tellement de prestige, eh oui. Eh oui, Sullivan. Merci beaucoup. Tu penses que ça vaut le coup de sortir la nuit pour capturer des Pokémon? Bah oui, surtout que je crois que t'as des Pokémon différents. Juste faites attention, allez pas dans des endroits trop dangereux. Bye Big Axel. Tu peux adapter ce genre de support pour ton épaule. Oui, c'est ce qu'il faudrait. C'est ce qu'il faudrait. Mais le truc, c'est que j'arrive à trouver plein de choses. Pour les GoPro, j'arrive pas à trouver quelque chose pour les téléphones. Trahison. Mais Crane, c'est mon vrai prénom. Mais mes parents le savaient pas à ma naissance. J'ai envie de me mettre au jeu de rôle papier. Tu déconseilles pour trouver des compagnons d'aventure. Essaye de voir s'il y a des associations. Va voir sur des forums. Je viens de cap un ras de pique sur mon balcon. Bah GG à toi. GG à toi. Ah, attendez. Produits ouverts. Hop. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai toujours pas de deck que j'utilise en standard. Hein. On m'en voudrait pas trop. On va faire des petits versus avec des decks de base. Comme ça me permettra de continuer de discuter avec vous. Petit deck vert. Donc j'ai bien avancé. Hein. J'ai bien avancé. Regardez. On est à 600. Déjà 60 victoires en versus. Connais Helsing en manga? Non, seulement les OAV. Ouais, il me faut de l'eau. Oh, de l'eau. De l'eau du ciel, de l'eau de là-haut. Oh, ça fait tellement de bien. Tellement de bien. Salut Soul Slasher. Pour ceux qui se posent la question pour la sortie de Pokémon en France, oui, ils garderont leur compte au même niveau et la PK est utilisable vu que c'est la même pour tout le monde. Très bien. T'as eu Ultrunks derrière toi dans un petit magasin juste à côté de chez moi qui s'appelle Momi Manga, je crois, Momi. Connais la vitesse à ne pas dépasser pour Pokémon Go, je sais plus combien c'est. 6000 pièces OMG, oui j'avoue, je commence à avoir des pièces. Comment Crane a fait pour avoir autant d'argent? J'en ai jamais dépensé depuis le début, donc c'est tout ce que j'ai gagné avec les défis, tout ça. Oui, j'ai cliqué sur la Pokéball. Quoique, attends, peut-être que là il y en a une nouvelle, on va voir. Ouais, c'est pas encore le booster, c'est dans 2h35 minutes le booster. Dans 2h35 minutes. En fait, tous les jours, quand je me réveille, j'essaye de faire mon défi ou alors quand je vais aux toilettes. Je raconte ma vie. Comment je pourrais t'envoyer des codes en ligne? Alors, pour m'envoyer des codes, le plus simple, c'est de m'envoyer un message privé sur Twitch. Je sais pas si Aube est dans le coin et peut vous mettre le lien vers ma messagerie. Bon, après, vous pouvez la trouver très très facilement hein, sur Twitch. Mais ça, c'est le moyen le plus simple. Sinon, c'est le plus simple. C'est le plus simple. C'est vraiment tout simple comme ça. Tu cliques, je sais pas comment vous mettre le lien. Quelqu'un peut mettre le lien, s'il vous plaît? Crane, je suis raisonnable ou pas? Je sais pas. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Je peux pas répondre à ta place. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis.
Voilà. Tu prendras lune ou soleil. Je me souviens plus les différences, donc... pour envoyer un MP à Crane. Voilà, Aube du Chaos vient de vous mettre le lien pour le MP. But du jeu, il est payant. Tu peux expliquer à un viewer perdu le jeu. Alors, le but du jeu, c'est de... c'est de faire des decks, tout simplement. Je vais vous montrer une partie avant de... j'imagine que je vais recevoir des codes derrière. Mais avant ça, je vais vous montrer une petite partie. Comme ça, vous allez voir le jeu. Non, Wisp Crane Line, c'est pas ça. C'est pas ça, Jeza. Non, c'est pas ça. Ça, c'est un Wisp, c'est pas la messagerie. J'ai beaucoup de mal avec les animes. Alors, on va essayer de commencer. Donc là, c'est pour savoir qui commence. J'ai perdu le lancer de pièce, donc, ce qui arrive très très souvent. Donc c'est elle qui choisit qui commence. Donc en général, la personne choisit que c'est elle qui commence. Même si apparemment, il y a des decks, c'est moins le cas. Mais la plupart du temps, commencer, c'est quand même bien. Ghost in the Shell, c'est très cool. J'aime beaucoup, oui. Mais pas la série. Enfin, la série, il y a des trucs sympas. Mais plutôt les films. Ah, GG Aube. Et Meganini, qui rejoint la Groove Family. Bienvenue à toi, Meganini. Merci beaucoup du soutien, c'est très gentil. Les bisous et bim. Et bim le sub. Et alors, l'adversaire n'a aucun Pokémon. C'est très très cool. Qu'y a-t-il dans les yeux de Meganini? Devenir fou. Et de la beauté. Est-ce qu'on a eu déjà de la beauté? La beauté est à l'intérieur de chaque dadon et les yeux de Meganini nous le rappellent. Je crois qu'on n'a pas eu beauté. On va commencer par quoi? Par celui-là, parce qu'on peut avoir un Pokémon de base qu'on peut mettre sur notre banc. On va faire terminer, parce que je ne sais pas ce que c'est son deck en face. On va voir. Merci beaucoup pour le soutien, c'est très très gentil. Et je crois qu'on va passer à 693. Et bim! Et bim! Donc pour l'instant, c'est toujours 692. J'attends que ça s'actualise, on verra. La distance des pas sur Pokémon Go, qu'entends-tu par là? Tu vas rentrer à quelle heure de la chasse? J'ai dû t'abandonner quand t'as perdu l'Evoli 423. L'Evoli, je l'avais oublié. Je suis rentré à 22h15, je crois. Quelque chose comme ça. Oui, je veux piocher une carte magnifique. Ah! Ah ah! Alors, ce serait beau si avec... Oh mince, c'est pas ça que je voulais faire. Je croyais que c'était mon tour. Je suis bon. Elle est la même chose, on a le même deck. On a le même deck. Oui, j'avoue que sur les personnages, ils sont pas foulés sur Pokémon The Card Game. Je suis pas DV super. En fait, je suis à la bourre. Parce que j'ai eu le déménagement. J'ai surtout eu le fait de perdre l'appart à ce moment-là. Et du coup, j'avoue, j'ai pas suivi. J'ai pas suivi la fin. Alors, je sais même pas à quoi ça va servir. Tiens, on va tout mettre. Ah oui, mais c'est un peu con parce que tant que. Ah, regarde, voilà. Ah, ça ne sert absolument à rien. Faire ça, ça, ça. Et je vois pas ce que je peux aller chercher. Non. Non, 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 non. Ah, ça le met obligatoirement sur le banc. Est-ce qu'il y a quelque chose? Disons que si je perds celui-là, je suis embêté. On va faire ça. Hein, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait bêtise. Apparemment, j'ai fait bêtise. D'accord, il change sa main carrément. Il va chercher de l'énergie. Ça veut dire qu'il a potentiellement l'évolution. On est mal. On est mal. Appel à la famille. Bah non, c'est le deuxième tour. Conseilles-tu ce jeu à un joueur de Hearthstone qui aime Pokémon? Oh bah oui, parce qu'il est cool. Il est cool. Pour l'instant, j'ai rien à faire voler, donc on va faire ça. Et on va continuer à faire ça. Alors pourquoi t'as pas voulu me le prendre il y a 2 secondes? J'ai du mal le faire. Voilà. Non, ce jeu est gratuit. Mais tu peux ajouter des codes de booster qui viennent avec quand tu achètes des boosters IRL. Par exemple, tu achètes un booster en vrai, dedans tu as un code qui te permet d'avoir le booster en jeu. C'est pas le même booster, c'est un booster à ouvrir sur le jeu. Donc oui, les gens qui achètent plein de boosters IRL sont avantagés bien évidemment, mais c'est pas grave, tu as quand même beaucoup de, par exemple des decks à thème. Donc ça, sur les decks à thème, ils ne seront pas spécialement avantagés. Et toi-même, tu peux gagner des pièces, vous avez vu, j'en ai 6000 et quelques, pour pouvoir acheter des... Ah mince, on est mal. On est mal, on est mal. Il va me frapper à 40 quand même, hein, le vilain. Le vilain, il va me frapper à 40. Après, c'est pas grave. On a ça. Ah, ça, c'est potentiellement très très bien. Sachant qu'on ne peut pas sacrifier ça, donc il va falloir sacrifier ça et ça, malheureusement. Hop, et on va aller chercher... On va aller chercher lui.
Et là, oh non mince. Ah oui, bah on va le faire sur l'autre du coup. On va le faire sur l'autre parce que je vois pas trop comment je peux faire. Ok. Appel à la famille, ça ne sert à rien. Terminer ce tour. Et il me faudra 3 énergies. Oh l'enfoiré! Oh l'enfoiré! Oh l'enfoiré! On va faire ça. On va faire ça. Et malheureusement. Je le tente ou je le tente pas? Ouais, on va faire ça. Ah, c'est 2 pour fuir en plus. Oh là 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 là, j'avais pas vu que c'était 2. Oh, c'était peut-être 1 avant, j'aurais dû le faire fuir avant. Je sais pas. Attends, je sais pas combien c'était. Est-ce que j'ai grave succès ou pas? Comment je vois la deuxième? Non. Non, tu veux pas? Ah ouais, mince, j'aurais pas dû le faire évoluer. Je suis trop con. Je suis trop con. Non, j'ai jamais joué contre Atto. Non, c'est à moi. Ah là, ça m'a coûté la game, probablement, mon erreur. Il regarde pas mon lien. C'était quoi ton lien? Ah, pour tourner le pot, la version téléphone. Merci. Ah, cool. Cool. En plus, c'est pas cher. Ok, bah je vais voir ça. Merci beaucoup d'avoir insisté, Miss Kaelia. Merci beaucoup. Ouais, on a perdu. On a totalement perdu. Est-ce que je le tente ou pas? En fait, il faudrait tenir 3 tours et piocher 3... je sais pas quoi. 1, 2, 3. Non, voilà, déjà c'est foutu. Ça, c'est par contre si c'est bien. Alors, supporter, on a que ça. Ok. Appel à la famille, qu'est-ce qu'on peut prendre? On va prendre, je sais pas, ça. Ça ira très bien. Ok. Croisez les doigts. On n'a pas perdu, mais c'est tout comme. Ok. Ah, la tristesse, toujours pas. Il faut qu'on pioche une énergie. Tant qu'on pioche pas une énergie, on perd. On y croit. On est optimiste. Crane, tu pourrais me renvoyer les ex que tu auras en double ou triple? Ouais. Ça marche. Alors, juste une chose. Ouais, bah non, voilà, si tu me les donnes, je vais pas non plus abuser. J'allais dire, pour ceux qui sont en double, je pourrais potentiellement me faire des decks après. Triple. Si on pouvait négocier les triples plutôt que les doubles, ça m'arrangerait pour pouvoir faire des decks après. Mais après, c'est toi qui me les donnes. Donc, si tu veux les doubles, je te donnerai les doubles. Il a bien joué. Il a très bien joué. Qu'est-ce qu'on va faire? Je peux pas, hein. Si je mets l'autre, j'ai perdu. Hein. Il peut encore m'en tuer 2. Ah. Triple, ça me va, Crane. Merci à WebTV des Youtubers, c'est gentil. Ok, 70, c'est dommage, j'aurais fait 2 piles. Ouais, non, on n'y arrivera pas.
quand tu refais du Pokémon Go, je dirais mercredi. Je pense mercredi. C'est fini parce que deux à tuer. C'est fini. On va en tuer un juste pour l'honneur. Et après, ce sera... Ah bah c'est con. C'est con, c'est con. Voilà, juste pour l'honneur aussi. En fait, il aurait fallu construire ces deux-là. Mais c'est fini. Allez. Voilà, pour te faire plaisir. 160, c'est fait. On sera pas Fanny. Alors. Et c'est la fin de la fin. Allez. On va lui laisser tuer le blindé pic. Comme ça, il prendra des dégâts. Il aura bobo. Ah, la tristesse. La tristesse. Il a bien joué, n'empêche, hein, parce que ce qu'il aurait fait, comme beaucoup de joueurs auraient fait, c'est-à-dire tuer le Pokémon, le troisième Pokémon, il perdait derrière. Ah, oh, il m'a pas tué. Ouais, on va pouvoir faire une évolution. C'est génial. Vas-y. À quelle heure tu feras du Pokémon Go? J'aimerais bien commencer dans l'après-midi. Ça parle mal de Red Fanny, non, ça n'a rien à voir. J'ai fait une grosse boulette hein, dans le fight, hein, donc je méritais de perdre. Ah, un échange, attention. Attention devant vos yeux ébahis. C'est marqué là, est-ce qu'on peut faire ça? Ah oui, non, il faut... Alors, il y a quelqu'un qui m'a ajouté en ami. Alors, demande, hop, hop. Accepter. Et donc, échange. Attention, offre que l'on m'a faite. Ah mon dieu. 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 Je pense qu'il faut faire une petite pause sur ce moment. Je pense qu'on doit faire une petite pause sur ce moment de live. Voilà. Voilà, voilà. Je pense qu'il faut faire une petite pause. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Compte faire des duels contre les viewers d'Afek. Web TV des youtubeurs. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Et plein de paquets que je connaissais pas. Hein. Plein de paquets que je connaissais pas. Échange totalement rentable pour lui. Oui, j'hésite. Hein. Une énergie quand même. Elles sont belles mes énergies quoi. Franchement d'accord Web TV des youtubeurs. Alors rejeter les... Je sais pas hein. Je vais accepter mais c'est pour te faire plaisir. Parce que je trouve qu'on est un petit peu dans le déséquilibre. Un petit peu. Mais bon voilà, moi je suis prêt à tous les sacrifices pour vous. Attends, il y en a combien du coup? Alors attends. Non, c'est pas... je sais plus ce que je suis perdu. Non, je suis pas là, c'est pas là du tout. Voilà, tu m'as complètement perdu là avec ton. Alors, booster. Donc, on a là 24, 25, 26, 29, 35, 36, 37, 47, 49, 50, 52, 56, 59, 69. 69 boosters à ouvrir. Oh, ça mérite un petit tweet, hein. Alors. J'ai 69 boosters à ouvrir sur Pokémon TCG. Oh. Ça vous tente de venir voir ça sur... Tac, tac. Hop, hop. Crène, il t'a gâté, mais j'avoue, c'est très très généreux de ta part. Merci beaucoup. 50 plus... Mais non, j'ai dit 60. C'est bien. J'ai 69 ou ça? Oui, c'est ça. 69, le bon chiffre. En plus, j'avais pas vu. 69. Il a mis le bon compte, mais oui. Mais oui. Crène, puisqu'on peut pas utiliser les déçus personnalisés contre l'IA, ça sert à quoi les boosters?
Les decks personnalisés contre l'IA. Bah, tu peux jouer contre les joueurs après. C'est en table de booster un rat-attaque? Non, pas vraiment. Hein. Crane Life to Zanarkand en fond. Mm-hmm. Crane proposant à ta chérie, voyons. Oh, il m'a dit d'y rien, Maudit. Il m'a dit d'y rien, Maudit. Voilà. Je sais pas où elle est. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit être en bas. Je sais pas si elle... Ah oui, elle est sur son PC en bas. Je sais pas ce qu'elle fait. J'arrive pas à voir. J'arrive pas à voir. C'est quoi? J'essaie de m'espionner. Oh mon dieu, je n'arrive pas à voir. J'ai vu la vidéo sur Vazar le Grenier sur le jeu où il y a un tueur qui doit attraper les autres joueurs. Ça m'a surpris que tu sois tellement en retrait sur la vidéo. On t'entendait presque pas. T'aimerais vraiment pas les jeux d'horreur. C'est pas mon truc, les jeux d'horreur. Mais je suis pas d'accord pour dire on m'entendait presque pas. Alors là, il est sympa, Crenton et tout ça. J'ai le mec qui a fait ça. Merci beaucoup, oui. Alors. Hop. J'ai ça dans le coin. Voilà. Allez où? Alors on attaque par quoi? On va commencer par quoi? On va garder les boosters. Il y a plein de boosters que j'ai jamais vus. Hein. Nouveau. Alors, série noir et blanc. Donc, tout ça, c'est des vieilles séries, série XY. Bah, on va commencer par les noirs et blancs. Qu'est-ce que vous pensez comme ordre? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On fait les noirs et blancs en premier. Ce sera que des trucs que j'aurai pas parce que c'est des trucs que j'ai jamais vus. Elle se prend pour un agent secret, c'est ça. Il est XLXL, oui mais c'est Nidoqueen donc il est déjà évolué. Ça me paraît peu Blastrock, ça me paraît peu quand même. Voilà, voilà. Le pseudo de WebTV des youtubeurs sur le jeu, c'est Killer44SAO. Oui. Le mien, c'est MV Crane. Ou Crane, je sais plus. Je sais plus du tout. Échange terminé. On peut le revoir. Oh, cet échange! Oh, cet échange magnifique! Cet échange magnifique. Alors, c'est quoi, ça? Un petit jeu pour les prochaines sorties. Mais là, il m'a pas demandé 28 énergies, il m'a demandé une énergie. Alors, un nouvel ami demande... Voilà, j'attendais un petit peu que les gens arrivent. Plus vieux ou plus récent? Alors, je finirai par les générations, ça c'est sûr et certain. Ok, donc là, demande en ami, c'est fait. J'ai DL, le jeu, créé mon compte, etc. Et lançant le jeu, on me demande de créer un pseudonyme et de l'envoyer. Tu saurais m'expliquer, s'il te plaît? Alors, pas du tout. Le poids et la taille du Pokémon sur Go, c'est important. Alors, XL, tu auras des meilleures stats en le faisant évoluer. Et XS, il attaquera plus rapidement, je crois. Allez, Zou, c'est parti. C'est parti, c'est Cédric noir et blanc, destiné futur. Non, parce que je fais pas ça pour rentabiliser. Demande de défi, décliné. Je suis désolé, pas pour le moment, je suis en train d'ouvrir des boosters. Je fais pas pour rentabiliser et avoir de la bonne monnaie d'échange. Je fais juste pour le plaisir d'ouvrir et pour vous aussi, pour vous voyez des ouvertures. Donc voilà, je le fais pas par rentabilité de me dire ah bah ça j'ai de la monnaie pour échanger. C'est très très gentil à WebTV des youtubeurs de m'envoyer tous ces boosters. Donc pour lui, je vais aussi les ouvrir. Je viens de voir là, 1250 par 7 heures, c'est un record pour ta chaîne, jamais vu dépasser les 1000 depuis un an et demi. On était très souvent à 1000 au début de l'année. Après, avec le déménagement, ça a été plus compliqué. Et on a fait une pointe à 3100 aujourd'hui. On a fait une pointe à 3100, Javicho. Alors, mais c'est Pokémon aussi, c'est différent. Oui, tu peux m'inviter en ami sur Pokémon, bien évidemment. Alors, tout ça que je ne connaissais pas, on voit des illustrations différentes du coup. Le coût de retraite de chaque Pokémon de base est diminué de 1 énergie. Centre Pokémon une seule fois pendant le tour de chaque joueur. Ce joueur peut soigner 20 dégâts à un de ses Pokémon de banc. Très bien. Un joli Kirlia brillant. Et nous avons un Darumacho. L'évolution de Darumaron. Ok. Ok. Bon bah, voilà. Nous ne retiendrons pas dans les mémoires ce booster. Crane, franchement, super trop content. Bravo. Merci, Javicho. C'est très très gentil.
Non, on n'est pas allé à 3500. Je sais pas quel chiffre exact qu'on a eu aujourd'hui. Aube pourra me dire. Alors, une seule rare. Badge de la team Plasma. Le Pokémon auquel cette carte est attachée est un Pokémon de la team Plasma. D'accord, très bien. Et lui, il est brillant normalement ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout les lapins. Les lapins, c'est gentil. Et attention, un petit Steelix, l'évolution d'Onyx. Ok, ok. Très bien. Bon, deuxième booster. C'est pas encore ça. Crane, je t'ai invité. Bah, je vais t'ajouter. Hop, hop, demande. Oui, oui, accepté. Voilà qui est fait. On a trois boosters de la série Noble Victories. Ouvrir. Oui, le jeu est free to play. Crane, les dessinés futurs sont ultra rares. Je sais pas si tu as des explorateurs obscurs, mais aussi sont trop rares. Sinon, tu as 23 boosters génération avec plein de ex. Oui, 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 ça j'ai vu ça. C'est pour ça que je garde les boosters génération pour la fin. Je garde ça pour la fin. Oui, Onyx a une évolution, en effet. Alors, quand est-ce qu'on a deux rares? Encore une seule rare. Evoluroc. Si ce Pokémon auquel cette carte est attachée est un Pokémon de base, tous les dégâts infligés à ce Pokémon par des attaques sont réduits de 20. Très bien. Et un joli tout à fait. Tout à fait, oui, tout à fait. Lancer une pièce, il s'efface. Le Pokémon défenseur est maintenant confus. Et là, nous avons un Fragility. Fragility. Évolution de Chlorobule. Plein de Pokémon que je connais pas. Ouvrez-en un autre. Mais oui, on en ouvre un autre. Ah mince. On n'est pas. Non, mais j'ai vu 3122 personnes, moi, un moment. Alors. Et Manternelle. Et sinon, une méga canne. Et mélange avec votre deck. Ok, c'est plutôt cool. Allez, troisième booster. Alors, on n'a pas battu. Alors, je croyais qu'on avait battu, mais non. Marrant le dessin du flamoutant. C'est pas du tout les mêmes, hein, les dessins. Un petit Krabicoque qui brille. Et là, nous avons un Pyrax. Mais c'est quoi ces Pokémon, ces boosters noirs et blancs là, hein? Que de la merde, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas pour les boosters. Et on attaque les XY. Alors on en a 6 points furieux, c'est parti. C'est parti, des points furieux. On ouvre. Merci Sylvain. Oui, c'est vraiment génial. C'est vraiment incroyable, on va pas se plaindre parce qu'on... Alors là par contre, on n'avait pas Magmar. Et on n'avait pas le Trousselin qui brille. Et enfin, nous avons un Fulguris que je n'avais pas non plus. 120 points de vie. Si une carte outil Pokémon attachée au Pokémon actif de traverser, cette attaque inflige 30 dégâts supplémentaires. Très bien. Pokémon ne peut pas utiliser Tacle Foudroyant pendant votre prochain tour. D'accord. Très bien, très bien. Il est pas mal. Hein. Il est pas mal. On en ouvre un autre. C'est bon, j'ai vu Aube. Chut, chut, chut. Alors de nouveau, il n'y a que le Polarume, mais c'est juste parce qu'il est brillant. On doit en avoir de base. Et là, nous avons un... Oh, un Rexilius. C'est l'évolution de Tyranidur. Mais moi, je veux un Tyranidur dans Pokémon. Dans Pokémon Go. Crane Pokémon légendaire. Dis Crane, je vais au Canada. Mercredi, tu as envie de quelque chose? Non, sérieusement, si je peux, je te le prends, je te le ferai parvenir. Comme ça, je sais pas. J'avoue que c'est une question qui sort un petit peu... Je ne sais pas. Faudrait que je vois avec Maudie, mais c'est très très gentil. J'ai quand même bien pris des coups de soleil, je pense. Hein. Je pense qu'on peut dire j'ai pris des coups de soleil. Ouvrez-en un autre. Coupe du chaos qui se fait engueuler, mais tellement. Alors, toujours qu'une seule... Alors, nouveau, c'est juste celle-là, mais on l'avait pas en brillante. Et attention, 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 un Demeteros. Mais non. Faisons un autre. C'est la tristesse des boosters, là. C'est la tristesse des boosters. Toujours qu'une seule rare. Même l'énergie brillante, on l'avait déjà. Oh là là. Et un Drascor. Ça, par contre, on n'avait pas Drascor. C'est l'évolution de Rapion. D'accord, très très bien. Bon, une carte qu'on n'avait pas, donc c'est plutôt cool. Mais c'est Tyranus. Un Pandespiègle, je l'avais pas celui-là. Oula, plein de cartes qu'on n'avait pas. Fossile nageoire, un Trousselin, un Pandespiègle et un Craquenoix, mais qui brille. Et un Nymphali, qu'on avait déjà. Voilà, voilà. Crane, j'ai réussi à t'inviter. Très bien. Mais je le ferai après. Il va regretter l'échange. Ah non, on n'ira pas jusque-là. Alors là, de nouveau, il y a juste le super rappel. Mais qui brille, et là,
un sidéré là que je n'avais pas, ceci dit, donc ça fait plaisir. Centre de téléportation, une seule fois pendant votre tour, avant votre attaque, vous pouvez défausser toute carte stade en jeu. Dans ce cas, prenez une carte stade d'un nom différent dans votre pile de défausse et mettez-la en jeu. Intéressant. Intéressant, intéressant. Ben voilà, on a fini la série de boosters. On est à combien de boosters ouverts sans rien qui fasse rêver ? Alors attendez, hop, hop. Demande. Accepté, gentleman zombie. Ah, une erreur s'est produite parce que je pense que tu étais déjà dans ma liste, toi, non ? Par contre, quand il y a une erreur qui s'est produite, je suis obligé de l'annuler parce que ça, il acceptera jamais. Ouais, voilà. Donc je vais t'annuler. Hop. Je refuse, n'hésite pas à la renvoyer plus tard. Ok, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Crane, en vrai, je suis quasi sûr que tu as tapé plus, mais la prise de stats se fait à intervalle trop lâche pour avoir enregistré le pic. Ça doit être ça, Homme du Chaos. Ça doit être ça. Allez, on continue. On continue. Et Primo Choc. T'es là, WebTV des youtubeurs? Toi aussi, tu es hypé par toutes ces cartes? Et Lumivol que je n'avais pas. Et la terre brûlée que je n'avais pas en brillant. Et un ex-cavarène que j'avais déjà. Très bien. Très bien, très bien. Très, très bien. Terminé. Allez, est-ce que Étincelle, c'est la série où on va avoir des EX? On va voir. C'est parti. Just French, sorry. Ok. Alors ça, par contre, on n'avait pas de flambeau incandescent, on n'avait pas de mustéboué et on n'avait pas de macaillement qui brille. J'aurais... Ah bah non, en fait. Mais j'avais un macaillement, mais il brille pas. Ah si, il brille. Il brille, mais genre, il n'y a rien qui brille, quoi. Il y a juste en haut, là, il y a deux petits bouts qui brillent. Et ah bah enfin, un méga Dracofeu X. Ah bah voilà, ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Un méga Dracofeu X qu'on n'avait pas. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Dans quel live t'as joué à Skyrim, si tu l'as fait? Je crois que j'ai pas fait Skyrim en live pour le moment. Salut Swear, comment allez-vous après ce week-end de 4 jours? Bah très très bien. Est-ce que c'est un week-end de 4 jours pour nous? Je ne crois pas. Allez, enfin, enfin une carte EX. Enfin, enfin un méga Dracofeu EX que je n'avais point. Alors, oh il y en a 12 des comme ça. Attendez, on va garder les 12 et le 13 pour la fin. Là on va faire Origines Antiques. Donc on va garder Impulsion Turbo pour la fin. C'est mieux, c'est beaucoup mieux, WebTV des youtubeurs, en effet. Mais on va se calmer, Zasker, quand même. Alors juste le Farfa Duvet, mais c'est un brillant, c'est pour ça que ça me dit que je l'ai pas. Et là, nous avons un Porygon Z. J'ai l'impression de tout le temps la choper, celle-là. Je sais plus à combien j'en ai. J'en ai 5. J'en ai 5 des Porygon Z, ça suffit. Ça suffit maintenant. Bon, on va passer sur Rupture Turbo, ouvrir. C'est parti. Mieux vaut garder ses poussières pour le HL ou les dépenser pour faire up des Pokémon qui ont les 60 PC. Non, il faut garder pour le HL. Moi, je les ai dépensés, mais c'est pas le truc le plus intelligent. Tu veux voir Flagados? Ah oui, j'en ai. Attends. Non, on peut pas voir. Sans, ça me dit pas brillante, pas brillante. Je sais pas si je l'avais, même en nom brillant. Et là, un Miasmax que. Ah bah, j'avais déjà. Je pensais que je l'avais pas, mais en fait, si. Ouvrez-en un autre, mais oui. J'ai jamais fait Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Pareil, c'est pas trop... Ah bah enfin! Notre premier booster, on en a ouvert je sais pas combien. Premier booster avec deux rares. Hein? Quand même! Quand même! Il a échangé quoi contre quoi? Une énergie contre 69 boosters. Alors j'ai beaucoup hésité, mais je pense que j'ai fait une bonne affaire. Merci beaucoup. Alors, Exagite, ça je suis quasiment sûr de pas la voir. Oui, je l'avais pas. Ah bah elle brille. Bah si, je l'avais peut-être, mais... Ah si, je crois que... Ah je sais pas. Ah non, c'est niveau 2 de Dimoclès. Ah non, j'avais pas. Doubler le nombre de marqueurs de dégâts sur chacun des Pokémon de votre adversaire. Cette attaque inflige 10 dégâts à 2 des Pokémon de bande de votre adversaire. Ok, très bien. Et un Drascore, l'évolution de Rapion. Bon, voilà. Voilà. On est toujours à une seule EX. Magic, j'y ai joué énormément, mais de 94 à genre 97, quelque chose comme ça. Ta chance sur les boosters, ça me rappelle la mienne sur Hearthstone. T'inquiète, ça va changer. Ah bah voilà, nouveau deux rares. Oh, nouveau, genre j'avais pas d'énergie comme ça. J'avais pas d'énergie de cette collection, t'es sérieux? Il brille pas lui? Non, lui il brille pas. Par contre, lui. Un Dardanian qui brille. Ça c'est cool, ça fait plaisir ça, l'évolution de Coconfort. Et un Elidèle que je n'avais pas. Donc ça fait plaisir aussi. Ça fait plaisir aussi. Moi dès que c'est des cartes que j'ai pas, je suis plutôt content. Hein.
Il est entièrement gratuit le jeu, oui, mais tu peux avoir des. Il n'y a pas de moyen de payer en jeu. Par contre, tu peux acheter des boosters dans la vraie vie, rentrer les codes et choper des boosters dans le jeu. Donc, non, il n'est pas véritablement gratuit, mais t'as pas besoin de payer pour t'amuser. Hein. Un ex-cavarène, mais qui brille cette fois-ci, une énergie et un Staros que j'avais pas. Je pensais que je l'avais déjà, mais en fait, je l'avais pas. Allez, on continue. En IRL, j'ai Maconnier en doré. Nice. Quand tu échangerais le Hexagide, je cherche depuis longtemps. Non, pour l'instant, je fais pas d'échange. Je fais juste les collections. Alors, plein de nouvelles cartes. Coquillasse, on a trouvé plein aujourd'hui. Carton rouge. Un Céléroc qui brille. Et un Mastouf que je n'avais. Que j'avais. Bon, bah, j'ai rien dit. On est quand même moisi des IX là. Je tiens à le dire depuis tout à l'heure. C'est un peu la tristesse. Deux rares ? Non, une seule rare. Oh, un bandeau du muscle, mais qui brille. J'avais pas ça. Un escroco. Un petit poncho que j'avais pas. Et un blind du pic. Bon, moi j'avais déjà, mais. Ah, il me dit que je l'ai pas. Pourtant, je l'ai dans mes. Ah, mais non, il brille. Mais non, oui, c'est un blind épique qui brille. D'accord, bah j'avais pas. Bon, bah c'est fini pour cette collection aussi. On attaque les impulsions. Je fais impulsion turbo ou un pack des destins en premier? Qu'est-ce que vous préférez? Il y a des. Non, mais voilà. Il y a des canettes vides de Red Bull ici. Hein? Qui c'est qui fait ça? Je commente également. Je reviens d'un festival. La voix de Crane est reposante. Tu crois qu'il mange des machins? Crane adore les EX, mais oui. Alors, vous voulez quoi en premier? Impulsion turbo ou un pack des destins? Pendant ce temps-là, je mange. Turbo? Allez, turbo. Quentin a décidé. Ouvrir. On y va. Tu manges quoi, des chips? Non, je mange des bretzels. Alors, plein de nouvelles cartes que je ne connaissais pas. Un Tiplouf, un Feu Faux Rêve. Alors, combine de Giovanni. Choisissez l'une de ces options. Piochez des cartes jusqu'à ce que vous ayez 5 cartes ou pendant ce tour, les attaques de votre Pokémon infligent un dégât supplémentaire au Pokémon actif de votre adversaire. Ah, marrant. D'accord. Un Ronflex que j'avais pas. Un Chevroom que j'avais pas. Une Pierre Allégée. Le Pokémon auquel cette carte est attachée n'a pas de coup de retraite. Très bien. Et. Un Galam, il fait quoi celui-là? Si vous avez joué une carte supportée de votre main pendant ce tour, ça inflige 70 dégâts supplémentaires, très bien. Une seule fois pendant votre tour, avant votre attaque, vous pouvez regarder les 5 cartes du dessus de votre deck et les replacer sur le dessus de votre deck dans l'ordre de votre choix. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouvrez-en un autre. Le Ronflex se cherche sur Pokémon Go, exactement. Exactement, c'est ça. Ah, deux rares. Un Marisson qu'on n'avait pas, tout le reste on avait déjà. C'est parti, attention. Ah, oh, bah, je l'ai déjà. Un ossature turbo, bah ça fera le deuxième, et ça j'avais pas. C'est l'évolution de Archéomir, Archéodong. Très bien. Ouvrez-en un autre, on continue. Toujours pas de EX. Bon, une carte turbo, mais je l'avais déjà, c'est dommage. Alors, un magnétique que je n'avais pas, un Ruskus copain. Chaque joueur place un Pokémon de sa pile de défausse dans sa main. Oh, marrant. Le billet réservé brillant, donc j'avais pas en brillant. Très bien, et... Un ossature, bah justement l'ossature, tiens, on en parlait. Bah je l'avais pas, ceci dit je l'avais pas, donc ça fait plaisir. Et bah très bien Carnage Gamings, je suis content pour toi, GG. Tu vas laisser modifier les boosters pour plus de chance, bah non, c'est déjà pas des boosters pour elle, on va pas non plus lui mettre la rage. Alors, Etouraptor que je n'avais pas, qui brille, en tout cas je l'avais peut-être mais en non brillante. Et. Bon bah je l'avais déjà en brillante. Voilà. Une seule EX pour le moment. On a ouvert combien de boosters là? On est à quoi? Il en reste 40. On est à plus d'une vingtaine de boosters ouverts là. Oh là là. La chance va venir sur la fin, vous allez voir. Non, ça c'est une nouvelle juste parce qu'elle brille, parce que je crois que je l'ai déjà en brillante. Et un Dodrio. Ouais. Tant que ce Pokémon est sur votre banc, le coup de retraite. Ouais, ok, c'est sympa. Allez, on en ouvre un autre. On se laisse pas démonter. Double troll, c'est ça. Alors là, il y a quoi de nouveau? Il y a un Dodrio pour aller avec le Dodrio. Il y a un Rhinolove. Il y a un Poisson Roi qui brille. Et un cocotine. Cocotine, l'évolution de Fluffetin.
Bah c'est génial. C'est génial. C'est génial. Une ex mais une turbo aussi. Oui, une turbo que j'avais déjà. C'est dommage. Et là, on a le magnéton, l'évolution de magnétique qu'on a chopé tout à l'heure. Et un marisson qui brille. Et... On vient de l'avoir. On vient de l'avoir. Allez, on ouvre un autre. On reste pas sur un échec comme ça. Craigne, vu la chance que tu as, je commence à me dire que l'échange n'était pas si déséquilibré. Un type louf qu'on a déjà, mais qu'on n'avait pas en brillante. Et... Ah, bah voilà. Un Mewtwo EX. Un Mewtwo EX. Et je crois que je l'avais pas, celui-là. Oui, je l'avais pas. Je l'avais pas. Mon premier Mewtwo EX comme ça, cette attaque inflige 30 dégâts multipliés par le nombre d'énergie attaché à ce Pokémon. Bah, super. Super. Il brille, il est beau. Il est beau, ce Mewtwo EX. Enfin. J'aurais dû les ouvrir, en fait, me dit WebTV des YouTubeurs. Série d'échecs critiques. Mais non, regarde. Regarde, j'ai un joli Mewtwo. Enfin. Enfin. Alors, là, on a chopé un Netram, l'évolution de Lovesoul. Et un Pandespiek. Non, mais cette terre du Pandespiek, quoi. Qui brille. Suivi d'un Cocotine. Non, mais tu viens de m'en donner un. Tu viens de m'en donner un. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on continue. Il est tellement pété, ce Mewtwo. Ah, c'est un Mewtwo pété. Cool. Là, ce qu'il y a de nouveau, on a des bottes lourdes. Si le coût de retraite du Pokémon auquel cette carte attachée est de 3 ou plus, ajouter 20 points de vie au Pokémon des derniers ne peut pas être confus. Marrant. Donc ça, on l'a eu tout à l'heure, mais en non brillante. Et... Oh oui, 2 2 Oh, pareil qu'il est pété en plus. Cette attaque inflige 30 dégâts multipliés par le nombre d'énergie attachée à ce Pokémon. Échanger tous les marqueurs de dégâts de ce Pokémon avec ceux du Pokémon actif de votre adversaire. Ça m'en fait deux. Bon, le troisième, il sera pour toi, du coup. WebTV du YouTuber. Là, WebTV du YouTuber, il doit dire vite un troisième, mais j'en ai deux. Déjà, c'est très très bien. C'est très très bien. Ok, ça m'en fait deux. Ouvrez-en un autre. T'as compris le jeu de mots sur User et Netram? Non. De Mewtwo, et oui. Jamais 203. Salut, Nakik G. Alors, Liosor, Neitram, Martin, non, je sais pas. Attention, c'est un Pidgeotto, avec un petit Fennec brillant, et à côté, un petit Deden que je n'avais pas non plus. C'est rare, ça, genre. Ouvrez-en un autre. Demi-tout Crane, c'est rentable. Cool. Là, juste le magnétique qui brille, on l'avait déjà en normal. Suivi. Ah, j'avais pas ça. Manizone, bah ça y est, on a fait toute la famille. Autant de fois que vous le voulez, pendant votre tour, avant votre attaque, vous pouvez attacher une carte énergie de votre main à l'un de vos Pokémon. C'est moi ou c'est hyper violent? Tu peux mettre autant de cartes énergie que tu veux de ta main. Autant de fois que vous voulez, pendant votre tour, avant votre attaque, vous pouvez attacher une carte énergie de votre main à l'un de vos Pokémon. C'est extrêmement violent, dis donc, son talent. Mais bon, c'est niveau 2, hein, donc c'est pas facile à faire. Ah bah voilà, on a fini. Bah tu n'auras pas de Mewtwo, je suis désolé WebTV des YouTubers. Je suis désolé. Mais moi je suis très très content d'en avoir eu deux. C'est parti pour Impact les Destins. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, une seule rare, de nouveau on a Nucleos. Et on a les Pacifériques. Mais vous avez pas du double son depuis tout à l'heure, je suis en train de... Et personne ne me dit rien. Voilà. T'as envoyé la demande d'amis, bah j'irai l'accepter. Quel est ton Pokémon préféré, celui de Maudit? Je sais pas, moi j'aime bien Mewtwo, donc, mais je suis pas très original. Attention. Un Lugia. On en a combien des Lugia? On en a 4. Ouvrez-en un autre. À la Kazam X, on y croit. Allez. Là, absolument. Ah si, il y a un Pashmila de nouveau. Un Pashmila. Les decks que tu vas pouvoir faire après ça, créer nouveau. Ah. Et un Strassi que j'ai déjà. J'en ai combien des Strassi? Bah j'en ai deux du coup. Et ça peut être intéressant parce qu'il a vraiment un bon talent. Il a vraiment un bon talent. Donc deux Strassi, je suis sûr qu'il y a des decks avec. On continue. Alors. Une seule rare. On n'avait pas le spray des évoluants. Faites désévoluer l'un de vos Pokémon évoluer, mettez sa carte évolution de plus haut niveau dans votre main. Le Pokémon choisi ne peut pas évoluer pendant ce tour. D'accord. Et un Roussil qui brille. Et Swayer qui se rabonne pour la 14e fois. 14 mois de soutien qui nous dit GG pour le double Mewtwo X. Merci beaucoup, les bisous et bim. Et bim, le sub. Le resub, merci beaucoup. Très gentil. Suivi. Ah, je l'avais pas.
un nouveau et un dindon de Lovac et un dindon brillant en prime. Merci beaucoup Lovac, des bisous à toi. Merci beaucoup pour le dindon. En même temps qu'un Dian CX, je connaissais même pas ce Pokémon, hein, je dois vous avouer. Voile étincelant. Tant que ce Pokémon est votre Pokémon actif, tous les dégâts infligés à vos Pokémon par une attaque de votre adversaire sont réduits de 30 après application de la faiblesse et de la résistance. C'est tant que ce Pokémon est votre Pokémon actif. Ah, ça doit être le Pokémon actif par contre. Ok. Ok, ok. Bon, bah, d'accord. D'accord, d'accord.